just calling to say I... Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode sur 7 Days to Die, toujours en solo, toujours hardcore. Et on est au matin de la nuit de la Horde, de la Lune de Sang. On va récupérer ça, ça fait un bruit horrible. Bon, et ben voilà, ça s'était tout bien passé. On s'en était bien sorti. Ah, d'acier forgé, c'est pas mal. Place des bocaux pour l'instant. La flotte, ouais. Place d'un blouson. Est-ce que je suis affecté? Non, je suis pas infecté. Non, ça, on s'en était bien sorti en vrai. On s'en était bien sorti. Et ça, à la place de. Ah, tiens, j'ai une hache là, level 1. Je suis pas sûr d'en avoir vraiment besoin pour l'instant. Qu'est-ce qu'on se fait de beau aujourd'hui? Bah, sûrement les quêtes. Hein. Quêtes, j'aimerais bien faire la moto. Ce serait pas mal de pouvoir se faire la moto aussi à un moment. Faut que je fasse les réparations de ça, mais j'y ferai peut-être pendant la nuit. J'ai laissé le serveur en 90 minutes. Je me dis ça peut augmenter un petit peu la difficulté. Alors attendez, on va vider tout ça. Ok. Ici, qu'est-ce qui se passe? Toujours du ciment. Ouais, c'est en train de... Ok. On s'en occupe pas. Là, on a refait un peu de mélange à béton, c'est cool. Il y avait des trucs là-dedans. Ouais. En train de faire de la pierre à pavé. Kit de répa, pareil, ça sert toujours. On va peut-être réparer la... Ça aussi d'ailleurs. Hop. Bah je range vite fait. Ah mais c'est blindé. Ah non. Je range vite fait les coffres, je vais chercher ce qu'il reste là-bas et puis on se barre à faire une quête. Allez. Alors c'est bon, on est full vie quasiment. Bouffe haut, c'est bon. Je voulais refaire... tac, compo, ça. Ouais. On va refaire des balles de tourelle. On va se trimballer avec la petite tourelle, là. On va réparer le fusil à pompe. Oh, ça, c'est bon. Ah merde. Attends, fais-moi ça. Et fais-moi ça. Ouais, parce que je trouvais ça vachement pratique, la petite tourelle automatique, donc je me dis pourquoi pas la garder. Alors, et en niveau quête, qu'est-ce qu'on a? Provision enterrée à 700 mètres, bah allez, hein. Ça c'est toujours gratos. Les verrous par là-bas. Voilà. Et bah allez, c'est parti. Oh bordel! Oh bordel! Ils sont où les autres? Il y a une drame de loup là. Viens là toi. Il y en avait trois autres, je crois. Mais ils se sont barrés. Bon, c'est pas grave. Merde. Ah, il m'a l'air d'être au milieu de la montagne. Fais chier. Fais chier, fais chier. On entend un qui marche. Il est là. Ouais, déjà plein quoi. Le papier ça dégage. Les plumes aussi. Ouais, batterie pourquoi pas. Ouais. Bon, bah allez, hein, c'est parti. Ah,
Oh, dis donc, on a de la chance là. Ok, je peux sortir facilement par là. On laisse remonter la stam, on va boire un coup. Ça s'est pas chargé ça. Ok. Ah, vraiment nul là. Vraiment nul. Allez, venez par là. Personne derrière. J'ai tué les deux là? Non. Bah voilà, easy. Allez, on se casse vite d'ici là. Ce biome tout pourri, on va rendre ça à notre pépé. Écoutez, regardez ça. Je viens de tomber sur cette petite maison là en rentrant. Au milieu de rien. Elle a bien tenté. Ouais, on a un peu de place. Ça, on n'en veut pas. Ouais, ouais. Ça, on peut y recycler. Ça, non. Pareil, on a ce qu'il faut à la maison. Il y aura 7. Ça en garde, hop, hop. Voilà. Il y en a un qui arrive là-bas. Bah allez.
Bon, allez, voilà, c'est bon. Oh là là. Trop de trucs à récupérer encore dans cette baraque. Allez, on se casse. Assez simple. On a récupéré des balles à paix en 9 mm. Ça, c'est grave cool pour pouvoir faire ça. Ok, on va décharger tout ça. Ok. J'ai réparé les trucs à revendre. Ça coûte vraiment pas cher d'y réparer. Il n'y avait pas d'autres trucs là, genre ça. Un kit de repas. Là par exemple la masse level 3 elle vaut, vaut 89 balles je crois. Et là elle en vaut 252 et ça 59 une fois réparé. Donc un kit de repas qui coûte pas grand chose. Hein. Ouais 141 donc c'est cool. Ça fait du pognon. Du bon pognon. Allez. Salut papy. Ouais t'énerve pas. Oh un petit plastron en fer. Ou une pelle en acier. Qui là doit faire bien plus de dégâts que les miennes, je suppose. Ouais. Après, le plastron en fer, ça marche de quoi? Plus 1, plus 2. Ouais, pas non plus des trucs fous. Bandage médical, plus 5. Ouais, on en a encore. Allez, la pelle, ouais. Allez. Est-ce que tu as du travail à me proposer autre chose? Pas trop loin. Récupération illumination à 200 mètres, parfait. Oh, il y en avait une même à 130 mètres, j'ai vu. Tiens, je te vends des trucs avant. Ouais. Ouais, je vends mon tromblon, ça y est. Maintenant qu'on a le shotgun, hein. Vendre les balles 113, ouais. Non ! J'ai vendu mon nez, putain, abruti. C'est pas trop grave, ça me fait de l'argent. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Modificateur XXL. Préférerais des balles. Ouais. Soufflet, on a. Le problème, c'est que lui, je crois qu'on l'avait déjà bien pillé, pépé, quoi. On l'avait déjà bien pillé, il me semble. Châssis de mini-moto. Ouais. Salut, vieux. Bon, j'ai vendu ma pelle en acier, mais c'est pas grave. On a les 1000 balles, donc limite je préfère avoir de la thune. Plus important, surtout à notre niveau. L'ouverture route commerciale, elle est loin. Il y en a celle-là, 2 km, putain, ouais. Pas à côté. Est-ce qu'on l'a fait aujourd'hui? Il est quelle heure? Midi déjà? Ah ouais, c'est 90 minutes, ça passe vite par contre, comparé à 120. On va aller faire la quête, je pense. Ah ouais, ça me dit rien, ça. Ça me dit rien. Après, je suis resté avec mes trucs, bah oui. Ça aurait été... Merde, ça aurait été trop simple sinon. Ouais, ça va. Allez. Faut faire quoi? Trouver les provisions, ok. J'ai juste les clébards qui me font peur. Il y a un rampant à la con. Ok. Il est où le rampant là? Il est tombé à l'eau ce con. Ah il est là, il arrive. Viens mon coco. On va aller au pool house. Venez, 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 vous énervez pas. Ah putain. Et trois fois je l'ai raté hein, alors que lui m'avait protégé à un moment. T'es bien mort toi, ouais. Il l'a bloqué, elle pouvait pas me rusher. Je connais pas ce non plus ce petit POI, j'ai jamais fait.
Jouer une torche, c'est par là la suite? Oh! Petit salopard. Ah! Ok. Le petit tir furtif, plus tir dans la tête. Ça fait le boulot. On va le dépecer quand même. Qui dépop. J'ai trop de trucs dans la barre d'inventaire. Ok. On va reprendre par là où on en était. Oh. Il y a beaucoup de ferrales là maintenant, hein, puisqu'on a passé la première. Oh! Ça, c'est du drop comme on aime ça. Pourquoi j'étais à 59 0 secondes? 59 0 secondes, j'ai pas compris. Sur la mon entorse. Ok. On va y prendre tout de suite, j'ai pris un level d'ailleurs. Ah! Mange donc. Ah bah j'aurais dû bouffer ça, putain. Pourquoi d'un coup ma bouffe est descendue aussi vite? Incroyable ça. Prends un petit cachet quand même, hein. 96 de vie, on n'est pas serein là. Le verre, casse-toi. Les conserves recyclées. Aussi, hop là. Personne là-dedans? J'adore quand il se réveille pas. Ok. Oh! Petit salopard, il me semblait que j'en avais entendu un là. Il était bien caché lui. Oh les développeurs. Salaud. Okay. Ça fait peur ça. Oh merde, quel drôle d'idée de leur casser la porte! Ah! Attends, panique pas, voilà, reprends ça. Mais elle est solide, elle! Saloperie, va! Ah, j'ai plus sa mine. Oh, il me l'a collé! Petit rampant. Tiens, mange un vieux truc de cham, là. Charger ça. Mais c'est immense. Ok. What? What? Il est tombé l'abruti. Il y a là mon coco. Ok. Ils font pas rire. J'ai éclaté la moitié du décor. Ah ouais d'accord, ça c'est de l'autre côté. Oh, j'ai trouvé une énorme caisse là, non? C'est une baignoire. Très triste. Ok. Il y a personne ici. Ok. Elle est stylée cette petite maison là. C'est peut-être fini si on a de la chance. Le gros Bob là c'était le dernier. Ok. Ok, il est derrière le bar.
Coffre intact. C'est moi ou il est violet ce coffre? Ou rose même? J'arrive, j'arrive. Ah. Voilà. Calme-toi tout de suite. Ok. 9 mètres, il en reste. Non, ça c'est des faux, c'est des faux. Panique pas, bonnet. Ok. Une petite balle en furtif. Et lui, il est full bugué, là, j'ai l'impression. Voilà. Allez, viens. On va tenter de te régler comme ça, à l'ancienne. Oh, il y en a d'autres. Oh. Ils sont montés un peu la stab. J'ai raté la porte. Ah. Oh. Qu'est-ce qui branle là derrière? Il y a un embouteillage de clodo. Oh, le coup en haut quand même, il fait plaisir. Hein. C'est fou, bugué. Hein. Oh. Je crois qu'il y en a un derrière moi. Ouh. Petit comité, hein. C'est calmé là. Oh. Oh les beaux cadeaux. Ok. Ah génial, j'ai ramassé une plume. Il y a un truc là-dessus? Non. Ok. Ouais, ça, ça vaut combien? 10 balles? Ça dégage tout de suite. Ok. Ok, putain. Ah. On aime ça, toutes ces petites choses. Tiens, ouais, bah, man... Ouais, ça rend de la santé, 25. Ouais, ça peut être pas mal, hein, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? C'est un bandage, je crois. Pour la contusion, là, non? Ouais. 6 minutes, ouais, ok. Du plastique, des machins. Eh bah, écoutez, c'était pas vilain comme petit cadeau. J'aurais préféré un peu plus, j'avoue. Là, y'a quoi? Schéma d'outils en acier. Pour apprendre comment fabriquer cet objet. C'est pour faire tous les outils en acier ou juste celui-là? Oh, c'est incroyable. Je crois que je l'ai jamais trouvé dans ma série en duo avec Vivi, celui-là, pour l'instant. On a trouvé la foreuse et tout, mais pas celui-là. Et là, on tombe sur la planche, voilà, pour se tirer. Et nous, on doit looter. Et bah, allez, c'est parti! We'll be right back.
Ok, bah dis donc, joli ce petit POI, hein. Petite piscine, jacuzzi. C'était fait un truc joli. Par contre, il est déjà 16h, 90 minutes, ça passe très très vite. Allez, c'est parti. On va quand même se faire la boîte aux lettres, effet des bouquins. Belle. Non. Okay. Bon, il reste des trucs, mais je suis tellement plein que. Allez. Tout le reste en garde, ok. Là, on a un marteau level 6, mais on en récupère un level 5. Hop. Ok. Come great, here you go. Don't spend it all in one place. Moins bien mon pio. Non, fusil de chasse, 360. Ok. On va prendre le fusil de chasse pour lui revendre. T'as du boulot. 140 mètres, récupération élimination. Pas très compliqué. Élimination des zombies. Barn 03, allez, pourquoi pas, je sais pas ce que c'est. Hop, allez, qu'est-ce que tu m'achètes, vieux? On va se relancer. Un peu de mélange à béton, il me faut du ciment. J'ai remis du charbon, je vais relancer du ciment, tac, 700, donne-moi celui-là, de pierre, du sable, hop, parfait, nickel, tac, tac. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est quelle heure? Il est 18h, on va juste aller réparer, ça demande de la pierre à pavé, on la récupère la pierre à pavé là-bas? Non. Le marteau, super marteau level 6, on a récupéré. Et à la place de ça, voilà. Allez. On va aller réparer ça, et après, comme d'hab, hein, dès que commence à faire nuit, on va aller miner un petit peu. Et après, on fera un peu de construction. Là, on va juste réparer. Allez. Ok, bah nickel. Nickel. Oh, ils avaient pas trop abîmé en vrai. Hein. Alors on l'avait déjà un peu réparé, je me souviens plus. Mais ils avaient pas trop abîmé en fin de compte. Bon, bah nickel. Et hop, on ferme ça. On va commencer à miner tout de suite. J'aimerais bien trouver du fer aussi. Putain, j'aurais bien trouvé... On va commencer à avoir besoin d'acier forgé, tout comme ça. Quoique l'acier forgé, tant qu'on n'a pas de... Ouais, pas sûr qu'on ait besoin tout de suite en vrai. On va aller se balader où est la bécane là-bas. Voir si on peut pas trouver un petit minerai de fer dans le coin. Est-ce que j'en avais noté sur la carte? Il y en a ici. C'est pas à côté, j'aurais bien peut-être là, on va aller voir. Oh bah regardez ça. On va décaler un peu la bécane. Parfait. Et bah allez. Commencez par prendre de l'arbre. Prendre du bois. Ça va être grave cool là, on va récupérer du charbon, du fer, de la terre, de la pierre, tout ce qu'il nous faut en même temps. Oh bordel à cul. On a des coureurs olympiques. Il y a une qui est partie. Cassez-vous. Oui, ils étaient que 3. Ok.
Ouh, ça met un coup de pression quand tu les entends arriver en courant. Surtout dans le trou, tu vois pas comment ils sont. Terrible, heureusement il a filé tout droit, je sais pas où il est parti, mais tant mieux. Et on continue. Ok. On va s'arrêter ici pour ce soir, on aura déjà bien miné là. Commencer un joli petit trou. J'aime bien ce genre de mine là, comme ça. C'est Zen Nation à qui j'ai chopé l'idée, qui fait ça. Et je trouve ça pas mal parce qu'au fur et à mesure qu'on a grandi, en fait, on récupère encore de la terre, de la pierre et toujours les minerais, quoi. Donc là, on a du fer, du charbon, de la terre, de la pierre, c'est parfait, tout ce qu'il nous faut. Allez, on rentre à la maison. On va aller faire un peu de construction maintenant. Parce que j'aimerais bien faire un étage par-dessus tout ça, où je pourrais mettre justement tout ça, mes forges, mes trucs. Avant que les hurleuses arrivent et qu'on soit ici, qu'on se fasse éclater. Donc voilà, on a récupéré du coup ça en terre. Donc plus de terre qu'autre chose pour l'instant. Un peu de pierre, mais je l'ai déjà commencé à en transformer en pierre à pavé pour faire des blocs de dalles. Et un petit peu de fer, un petit peu de charbon. Pas grand chose, c'est normal. Allez, je range ça. Ok, ici. Ah, j'en ai déjà 132 là, oh, c'est parfait. Des échelles, pourquoi pas. Des blocs comme ça, non, pas pour l'instant. Ça, on aura peut-être besoin. Et puis c'est bon, le pinceau pas encore malheureusement. On a pas de peinture. Ok, ils sont là-bas. On n'a pas l'air de l'avoir repéré. J'espère que vous y voyez assez. Non, je vais augmenter la luminosité, ça devrait être bon. Alors, comment on pourrait s'organiser quelque chose de pas trop dégueulasse? Soit je fais un escalier extérieur. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, on a une sorte d'escalier avec ça. Ça, je vais regarder. Je vais même placer ça. On va la recharger. Voilà. Et je vais la placer là. Je vais allumer ma torche, que vous y voyez pas assez sur YouTube. Normalement, ça devrait aller. Donc là, c'est qu'on avait déjà un bon trou quand même. Mais bon, là, c'était que de la terre et de la pierre. Je pensais tomber sur un minerai avec un peu de chance, mais non. Ça n'a pas voulu. Alors on a quoi comme escalier là-dessus? Est-ce qu'on a l'escalier avec les rambardes? Non. Ce sera forcément avec les wood frames. J'ai pas le doigt sur le bon bouton. Cela. Ouais. Non, vu que je veux faire deux de large, il va pas aller celui-là. Celui-là va pas aller. Là, on va se faire une petite plateforme. Ouais, ça me paraît pas trop... pas trop dégueulasse comme ça. J'aime bien avoir deux de large dans l'escalier pour pas être bloqué. Ah, vilain, vilain! On va peut-être casser ça. Ah, évidemment. Bon. Ah! Voilà. La sécurité avant tout. Au revoir, madame. À la prochaine. Faut que j'en fasse des pièges, ça me fait penser, tiens. Faut que j'en fasse des pièges. On se fait un petit truc comme ça. Ouais, ça me paraît pas trop trop vilain. J'essaie de voir pour mettre des barrières peut-être là. C'est toujours le même truc. Qu'est-ce que tu peux me donner en barrière, toi? Ah non, mais y a pas d'autre forme de barrière. Puis
pivoter automatiquement, simple, de face, avancer. Je suis obligé de la mettre là, dégueulassement quoi. Là, elle va pas tenir. Faut que je mette en plus. Hop. Oh que c'est vilain. On n'aime pas ça. Ça on n'aime pas, c'est pas terrible terrible, mais bon. Je peux pas faire autrement. Si, je pourrais peut-être décaler celle-là aussi pour que ça fasse moins... Ah mais là du coup je peux plus mettre de blocs quoi en fait, c'est ça. Si je veux fermer un jour ici, je suis foutu quoi. Bon, on n'est pas obligé de fermer. Une poule là-bas, regardez là. Ouais, je pourrais, mais j'ai la flemme en fait d'aller là. d'aller la récupérer. Hop. Ouais. Ouais, c'est peut-être plus... Arf. Arf. Je suis pas fan, mais bon. Ouais. Bon, là, on y enlèvera, évidemment. On remettra un vrai sol. Et puis, on va repartir comment? Ouais. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre? Pas de bloc. Enfin, pas de pilier tout de suite. Pourquoi pas pour finir aussi? Alors, peut-être 10 piliers. Oh, ils sont gros ceux-là. Ils sont peut-être un peu gros ceux-là. Voyons les autres, ça donne quoi? Deux, trois, à quatre, c'est peut-être un peu haut. Peut-être vu un peu haut pour quatre, hein. Deux, trois. Ouais, ça me paraît mieux, trois. Quatre, c'est peut-être un chouïa haut. Et en bois, on a d'autres formes plus sympas. Non. Ouais, y a rien de bien fou. Y a pas les espèces d'arrondis un peu? Vous savez qui font en demi-cercle? Non, ça doit pas être là-dedans. Ça doit être sur un autre bloc. Ok. Remets-moi des woodframes là pour l'instant. Faudrait que je fasse la même forme que j'ai fait en bas, en fait, ce serait peut-être plus joli. Ah, c'est de la construction, hein. Je vous la laisse, pour une fois, vous me direz si vous préférez que je vous la mette en accéléré. Mais la construction, c'est ça, on fait des tests. Je sais pas, il m'a pas pris mon truc. On se met celui-là, comme on a mis en bas, il est où? Coin incliné, non. Ah, ils sont là, ce que je cherchais. Ça, c'est ce que je cherchais. Est-ce que je pourrais... Non, à l'envers, s'il te plaît. Non, si je le fais là, ça va être trop court, donc il me faut au moins ça. Ah, ça peut être pas mal avec un de hauteur. On verra. Oui, j'en étais là. Si je pars dans tous les sens. Je cherche les demi-blocs, là. Voilà. Non, c'est pas cela. Pas cela. Bah. Je mongolise, là, hein. On est d'accord. Ah, pourtant, il n'y en a pas tant que ça. Ah, bah, c'est cela. Oh là là.
Mon pauvre bonnet. Mon pauvre bonnet, mon pauvre bonnet. C'est dégueulasse, madame. Parce que là, ça va bien. Est-ce que... Putain, ça m'a fait peur. Parce que c'est pas les mêmes, en fait. Oh merde. Il est là, mon pote. Ah. On a tous les deux, on a mis dans le vent. Ah, toi, tu me touches. Salopard. Si, c'est les mêmes, pourtant. Ah ouais, mais il faudrait que le poteau soit... Est-ce que ça rend vraiment pas beau, là, ça? Ça rend pas ouf du tout. Du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qu'on voudrait là? On voudrait peut-être faire même... Un truc un peu comme ça. Quoique non, parce que là en vrai ça va me gêner. Ils vont être là, faudrait que je puisse aller là. Faudrait que je fasse plutôt un truc comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça s'écoule pas? Ça s'écoule pas. Peut-être celui-là même en trop. Ça, je pourrais les awaner par ici. Parce que vraiment, j'ai besoin de ça en vrai. Je suis pas convaincu non plus. Ça, c'est bien quand t'es en duo, quand t'en as un en bas et un en haut. Ouais. Bon, ça, on va y virer. C'est pas beau déjà. Ça nous plaît pas ce truc. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre du coup? On peut mettre des blocs normaux. Attendez, je teste des trucs. Je teste des trucs, je teste des trucs. Soyez indulgents. Oh, ça fait dégueulasse ça. Ouais, ou alors je fais genre... On veut innover, on cherche des trucs à faire, et puis des fois on se prend trop la tête, hein. Ça c'est kiff kiff. Merde. D'accord. D'accord.
Ouais. Ouais, je suis pas convaincu là par ce que je fais, hein. Je vais pas vous mentir. Mais comme je l'ai déjà dit, moi je fais pas de test avant sur des serveurs. Je le teste avec vous. Soit c'est bien et c'est bien, soit c'est de la merde et c'est de la merde, on le voit tous en même temps. Je suis pas là pour vous cacher des trucs. Ça me plaît pas ce duo là. Ouais, ça peut faire genre un petit truc où on se pose là à la fenêtre, tac. Hop. C'est les pieds dans le vent là. Une bière, une clope à la main. Et voilà. Ok, ouais. Comment je vais pouvoir rattraper ce truc dégueu par contre? Pas hyper fan, voyons. Continuons dans ma lancée folle. Je suis pas hyper fan. Comme ça. Hein. Ouais. Ça c'est joli, mais ça n'apporte rien quoi. Là comme ça dans l'immédiat, c'est pas franchement utile, dirons-nous. Je fais un truc de deux. Là, on peut partir ensuite sur celui-là. Peut-être le faire là, pas obligé de partir jusqu'au bout du monde. Ah ouais, mais là... Là, c'est dans le cul du lul, là. C'est déjà 4h du matin? Oh là, 90 minutes, ça passe une vitesse. Ok. Mais là, tu vas jamais m'accepter. Est-ce que tu m'accepterais peut-être une petite plaque, là? Oh, c'est dégueulasse, monsieur. Oh, monsieur, c'est dégueulasse. Ah, j'aurais dû plus décaler l'escalier pour pouvoir mettre un poteau. Le problème c'est que là j'ai la trappe après qui est en dessous. Après, c'est très très large hein, comme ouverture du coup, les deux d'escalier. Les deux c'est très très large. On va déjà faire les fenêtres là comme ça par contre. Deux ou un.
On va peut-être faire un. Ouais. Ouais. Ouais, c'est à peu près centré, on aime bien. C'est pas trop dégueulasse. Le mur, un de large, le mur, un de... Ouais, ok. Deux belles fenêtres. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, là, par contre, ouais. Là, je suis désolé, mais je peux pas garder ça, hein. C'est vraiment laid. C'est un certain style. Mais là en vrai je m'en tabasse un peu de ce côté là parce que là j'aimerais bien agrandir. Que j'ai peur que ce soit un peu petit pour mettre mes forges. Sur un secret temple là. Hein. Là tout ça faudrait que je le renforce en acier forgé aussi. Peut-être pas pour la prochaine horde, mais faudrait que je le fasse. Bon bah écoutez, on va s'arrêter ici nous. On est jour 9, il est déjà 5h du matin, on a dépassé d'une petite heure, mais parce que c'est vrai que là en 90 minutes ça va très vite. On a pu commencer une belle mine. On enchaîne cette petite construction, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez que, comme d'hab, j'y passe en accéléré avec une petite musique, les constructions. Ou si, comme là, vous préférez voir un petit peu mes fails, mes trucs, tout le bordel, enfin la vraie vie de 7 Days to Die. Sans test, sans machin à l'avance. Juste comme ça, on voit, ça passe pas. On va mettre un rebord, là, un truc un peu stylé. Je pense pas que je fasse un toit comme tout le monde. Un truc pointu, machin. Peut-être un toit terrasse avec nos plantations, pourquoi pas. On verra. Eh bien écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si l'épisode vous a plu. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Et si vous avez aimé la vidéo, surtout un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, bye.